Bonjour à tous, on se retrouve ici à Medellín donc pour l'analyse de la troisième partie. J'espère que vous l'avez attendu et on regarde ça tout de suite, c'est parti. On se retrouve ici donc pour la troisième partie du tournoi de Medellín et on va analyser ça tout de suite. Donc pour cette partie, je jouais contre un adversaire qui s'appelait Juan Manuel Ramos. Donc un elo à 1980, donc j'ai dit que les classements ça valait pas grand chose, je vais vous expliquer rapidement pour les débutants. On va dire que ceux qui débutent, ils sont à peu près en dessous de 1000 elo, on va dire entre 800 et 1000 elo. C'est déjà un premier palier les 1000 elo. Ensuite on a 1200, on reste à débutant à 1200, on passe à intermédiaire. Dès qu'on dépasse à peu près les 1200, on commence à passer en intermédiaire. 1400, 1500, voilà. Après quelques années d'expérience, on passe à 1500, 1600, etc. Et à 2000, on est déjà un très bon joueur. Et donc, voilà. Là, l'adversaire a à peu près mon âge pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. On va analyser ça tout de suite. L'ouverture, je vais essayer de passer un peu vite. En fait, c'est une ouverture qui est assez théorique. On va regarder ça ensemble. Donc, j'ai joué D4 comme d'habitude avec les blancs, hein, mais on va regarder ça tout de suite. Et je vais essayer de me concentrer surtout sur le milieu de jeu, essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Surtout, en fait, c'était la première partie où j'ai vraiment eu une difficulté. Les deux premières, ça s'est assez bien passé, comme vous avez pu voir. Et donc là, on va essayer de regarder comment j'ai pu réagir quand j'étais en situation en difficulté. Donc là, D4, cavalier F6, C4, E6. Comme j'ai dit, je passe un peu vite l'ouverture, G3. D5, donc chacun développe ses pièces, cavalier F3, fou B4, échec, fou D2, fou E7, tout ça c'est théorique, vous pourrez regarder la catalane, donc là on est dans une ouverture catalane, là ici ça dit défense ouest indienne, bon ça revient dans un schéma ouest indienne aussi, vous pourrez regarder sur internet ouest indienne catalane et vous retomberez dans ces schémas, je vais pas l'expliciter aujourd'hui, on va juste regarder les premiers coups jusqu'à la rupture. Donc petit roc, B6, dame C2, fou A6, B3, petit roc, fou F4, K et BD7, tour D1. Et là dans cette position, il y a pareil des milliers de parties qui ont été jouées, c'est très théorique. En fait l'adversaire s'était préparé contre moi, qu'est-ce que ça veut dire se préparer contre une personne? Ça veut dire à l'avance, avant la partie, regarder les parties de l'adversaire, comment il joue en général, et essayer d'anticiper, de regarder comment il pourrait jouer lui, en regardant par exemple des parties de grands maîtres d'autres joueurs bien classés, ou même avec le module par exemple, ça peut influencer ses coups. Donc là, il a joué H6 en fait, il avait vu une partie que j'avais joué en ligne, et donc on m'avait joué H6, et je sais plus ce que j'avais répondu, mais en tout cas, il savait à peu près comment jouer là-dessus. Donc là, dans cette position, j'ai joué cavalier C3 et j'ai sorti mon cavalier dans cette position, ce qui est assez normal et en fait qui va préparer E4. Ok, donc jusque là, on a encore un peu moins théorique déjà parce qu'en fait H6, c'est un coup qui n'est pas très joué mais qui est quand même assez moderne, qui a été joué par plein de grands maîtres récemment, je viens de regarder, et c'est quand même très intéressant comme coup H6. Donc KC3, je pense que c'est le bon coup en réalité. Et là, il y a déjà beaucoup moins de parties. Je pense qu'on est sur une dizaine de parties jouées après cavalier C3. Là, dans cette position, il a joué tour E8, qui n'est pas le coup le plus joué, mais qui est quand même un bon coup. J'ai hésité entre cavalier C3 et puis A4, qui me paraissait aussi intéressant avec A5. Je trouvais ça pas mal. Alors, qu'est-ce que j'avais calculé? Je me suis dit que peut-être il jouerait soit cavalier E4, soit cavalier H5, suivi d'F5. Je trouvais ça intéressant aussi cette idée-là. Après A4, l'idée c'est de jouer A5 pour ouvrir la colonne A et essayer peut-être d'aller atteindre ce fou-là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Je pense que A4 c'est pour les plus aguerris. Je pense que c'est un coup assez intéressant dans cette position. KC3 je pense reste le meilleur. Je vais garder le module ici, comme ça va remonter les coups. Voilà, là on pourra voir les coups. Voilà, parfait. Donc, tour E8, il a joué E4. Je pense encore que c'est un bon coup. Mais là, en fait, depuis que j'ai joué KC3, j'ai un pion en prise. Alors, on m'a posé une question, d'ailleurs, un ami m'a dit, mais pourquoi, est-ce que tu peux me montrer pourquoi le pion C4? Souvent, je dis, bon, le pion C4 et le pion C5, il vaut mieux pas trop le prendre. Et là, dans cette partie, il l'a pris, donc on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand il le prend. Alors, il aurait pu le prendre déjà au coup d'avant, KC3, le prendre. Dans tous les cas, j'aurais joué E4, hein, je pense, sur D prend C4. Mais on va regarder ce qui se passe. Alors, tour E8, E4, D prend C4. Donc là, il gagne un pion, on peut le voir, hein, si je remange.
il remange. Donc, pour le coup, je n'ai pas mangé en C4. Mais alors, pourquoi accepter le gambit? Pourquoi on prend? Pourquoi on prend pas? Alors, là, dans cette position, c'est intéressant de prendre. Au tout début, c'est déjà plus risqué. Ça va dépendre des positions. Il faut connaître un petit peu. Mais là, on va regarder dans cette position exactement qu'est-ce qui se passe après D prend C4. Donc, D prend C4, en fait, c'est un abandon du centre. Pourquoi abandon du centre? Parce qu'au final, ces deux pions-là, eh ben, ils n'ont plus d'affront en face. On voit bien qu'ils contrôlent ces quatre cases. On est sur la quatrième rangée, on est juste avant la ligne de démarcation de l'échiquier. Et là, on contrôle déjà plein de cases intéressantes. Et donc, lui, il abandonne un petit peu cette bataille au centre en prenant ces quatre. Mais ça vaut quand même le coup parce qu'il mange un pion. Donc, à quel point ça vaut le coup? On va regarder. Dans cette position, là, j'ai un peu raté mon coup. J'aurais dû garder justement cette structure, cette maille-là qui est super forte, et plutôt mettre un cavalier en D2. En mettant un cavalier en D2, je forçais la prise, je reprenais du pion A et j'ouvre la colonne A comme je voulais le faire avec A4 à la base. Je me retrouve avec un pion de moins, mais je force fou B7. Là, je viens avec KC4 qui menace cavalier D6 et qui va menacer de manger le fou de case noire. Et dès que je mange le fou de case noire, ensuite, je vais contrôler vraiment beaucoup de cases. Et donc, je vais prendre un avantage positionnel. Donc, si j'arrive à échanger ce cavalier contre ce fou, je suis content. Donc ça, c'est les échanges stratégiques. Les échanges stratégiques, c'est difficile à comprendre, ça prend du temps. Et c'est ce qui fait qu'on a des joueurs plus forts que d'autres. Souvent, la stratégie, ça va être très important. Donc là, essayez de noter, cavalier va être... Enfin, si j'arrive à échanger ce cavalier contre ce fou, je suis plutôt content. Ce fou de case noire va être vraiment terrible ensuite. Hein. On voit que c'est un jeu assez ouvert, donc le fou de case noire va contrôler beaucoup de cases. Et on voit bien que ça va faire des trous dans le camp adverse. Donc ce fou-là va prendre de la valeur si ce cavalier s'échange contre ce fou. Ok, donc par exemple cavalier F8. Et là justement, l'idée, c'est que, bon, il ne permet pas l'échange en cavalier en D6, mais on va se dire... qu'on va échanger celui-ci contre celui-ci. Bon, à défaut de ne pas pouvoir échanger le cavalier contre le fou, on va jouer fou C1 pour pouvoir jouer fou A3. Et quand ces deux-là s'échangent, eh ben, je vais pouvoir jouer E5, essayer de placer peut-être un cavalier en E4 et accéder à la case D6 avec un de mes cavaliers. Et si j'arrive à installer un cavalier en D6, au final, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais contrôler plein de cases dans le camp adverse. Je commence à rentrer et à pénétrer sa forteresse. Donc ça, c'était ce qu'il fallait jouer et j'ai joué D5. Donc là, dans cette position, je crois qu'il y a zéro partie qui ont été jouées là-dessus. Je pense que c'est une première, peut-être. Et on va voir ce qui s'est passé. En fait, D5, c'est pas très bon. Là, il a pris en D5, c'est assez bien. J'ai repris en D5. Et là, il aurait dû jouer cette variante-là, je vous la montre. Il aurait dû prendre, fou B7. Je reviens ici. Et là, dame C8 pour s'enlever du clouage. Et là, j'ai un peu mal calculé cette position. Franchement, je pensais prendre l'avantage. Je me suis dit, bon, bah sur dame C8, il y a des fous H3. Mais en fait... dans cette position, c'est pas non plus transcendant. Je vais regarder un petit peu comment défend l'ordinateur. Ok, ouais, il va jouer des coups comme dame C6, fou prend D7, dame prend F3, et là c'est échec et mat imparable. Donc il avait des défenses entre guillemets pour le pion, et il aurait dû tout prendre en D5. Il fait une première erreur, donc il prend en B3. A prend B3, fou B7. Donc le fou était attaqué en A6, hein. Donc là je reviens doucement, il prend, je reprends, ça libère la tour, ça attaque le fou, il défend, cavalier E5, donc cavalier E5 super fort comme coup. Qu'est-ce qui se passe? En fait j'ai calculé, je menace C6, ok, je menace de prendre en C6 avec le pion, je libère mon fou en jouant le cavalier et j'ai un cavalier central qui vise F7, D7, C6, donc là super central et très très fort. Donc là je me dis, bon je menace de prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Disons qu'il prenne ici. Donc il y a un coup quand même normal. Je prends découverte. Ok, lui mange un cavalier, moi j'ai mangé un pion pour essayer de garder un petit peu les proportions. Donc j'ai une pièce de moins pour le moment. Puisqu'il avait un pion de plus, moi j'ai récupéré un pion et lui il a mangé mon cavalier. Donc il a un cavalier en plus. Sauf que j'attaque la dame, le cavalier et le fou en même temps. Donc je vais forcément récupérer une pièce. Et là dans cette position, donc il est obligé de donner la dame avec un cavalier prend C6. Tour prend D8. Tour prend. Et il se retrouve donc dans une position avec une tour, une pièce et un pion. Donc quand je dis, on le voit ici d'ailleurs, tour, cavalier, pion contre la dame. Donc c'est à peu près équivalent, j'ai un petit avantage, mais c'est pas non plus incroyable. Donc on aurait pu jouer cette partie. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier prend D5. Il a pris du cavalier.
en D5. On revient à la position, donc j'ai joué cavalier E5, et lui il a pris du cavalier en D5. Et c'est là qu'on voit un petit peu le manque d'expérience, enfin pas d'expérience mais de pratique plutôt. Donc ça faisait 4 ans que j'avais pas joué de tournoi en physique, la dernière fois c'était au Mexique en 2016. Et donc c'est vrai que ça se paye, en tactique je suis un peu rouillé. Donc la tactique c'est les combinaisons, c'est vraiment ce qui va faire qu'on passe d'une position A à une position B, qu'on calcule tout. Donc là on est dans une position A et j'ai malheureusement pas calculé la meilleure position B possible. Donc là dans cette position il y avait un coup très très simple en réalité que j'ai pas vu, enfin pas si simple non plus pour les débutants mais qui est quand même assez simple, de prendre en C6. Si j'avais pris en C6, fou prend, cavalier prend D5, fou prend D5 et là on arrive dans la position que je voulais justement, la tour cloue le cavalier et je vais gagner une pièce dans cette position, c'est imparable. Maintenant les dames C8 ne marchent pas parce que je prends prise et je vais prendre, donc là il est cloué, va arriver la tour. Va arriver le fou et je vais donc gagner la pièce. Donc c'est imparable. Donc cavalier prend C6, ça gagnait pratiquement tout de suite. Évidemment, il a une petite défense qu'on va regarder rapidement. Cavalier B4, cavalier prend B4, fou prend G2, roi prend G2, fou prend B4, cavalier D5, j'attaque le fou. Fou F8, ne vous inquiétez pas les débutants, c'est pas grave. Je vous montre juste cette variante. C'est plutôt pour les plus aguerris et les plus curieux, celle-ci, dame F5. Et là, j'ai un petit avantage dans ce type de position. Mais voilà, ok, ça c'était la meilleure défense des noirs sur cavalier prend C6. C'est pas sûr qu'il l'aurait vu, après cavalier prend C6 je pense que j'aurais gagné très rapidement la partie si je l'avais vu. Finalement je joue cavalier prend D5, cavalier prend E5, donc je récupère, on revient, hein. J'avais mis le cavalier en E5, il mange en D5, je mange, donc là je me retrouve avec égalité matérielle en termes de pièces, mais j'ai deux pions de moins. Là je joue cavalier F6, fou prend F6, tour prend D8, donc là on est sur pareil de la tactique, je vais manger la dame, et là on peut voir, il a une tour, un cavalier, deux pions contre la dame. Et donc là, le module m'est égal, mais je pense que c'est plus facile à jouer pour les noirs. Pourquoi c'est plus facile à jouer pour les noirs alors qu'on est dans une position déséquilibrée? Vous allez me dire, comment je juge cette position? Alors, comment je la juge? On a deux tours, donc déjà on a deux pièces, évidemment la dame compte comme une pièce, mais elle vaut énormément et beaucoup plus qu'une tour. Mais là, le fait qu'il y ait autant de pièces, c'est quand même plus difficile à jouer contre autant de pièces, et surtout si le fou s'active. Si celui-ci arrive à s'activer, au final, on a deux fous qui sont super forts, un cavalier qui est central, et la paire de fous ensemble, c'est toujours très fort quand ça coordine bien. Pourquoi? Parce que le fou noir, enfin, le fou de case noire va contrôler les cases noires, et le fou de case blanche, les cases blanches, donc ensemble, ils sont très très forts. Ils contrôlent énormément de cases. Donc là, là déjà il menace quelque chose de très fort, ça peut être des cavaliers F3 échec ou cavalier D3 avec la découverte pour manger la tour. Donc la tour il faut que je l'enlève, quoi qu'il arrive il faut que je la bouge cette tour et je l'ai mis en A4, qui n'est pas la meilleure case mais bon je me suis dit je vais essayer de défendre mon fou et en même temps garder la pression sur le pur A7 ce qui me paraissait assez logique. Je n'avais pas vu cavalier D3 qui est quand même assez visible mais en fait ce que j'avais pas vu c'est cavalier E1. Donc cavalier D3. Je ne peux pas le manger parce que la tour défend. Et en même temps, ce cavalier là, il est super fort. Il rentre dans mon camp et il menace cavalier E1. Et s'il arrive à faire cavalier E1, il va me faire une fourchette. Aux échecs, une fourchette, c'est quoi? C'est une double attaque. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on attaque deux choses en même temps. Fourchette, comme une fourche en fait, qui va aller fourcher deux pièces. Pourquoi on dit fourchette? Ça a plusieurs dents et ça peut attaquer même plusieurs choses en même temps. Un cavalier, ça peut attaquer pratiquement quatre pièces en même temps avec, avec la fourche. Voire plus. Ok. Donc là, il menace cavalier E1. Donc là, moi, ça m'embête. Je vais jouer fou F1. Il mange ici. Je mange ici. Et là, je commence à pas être très très bien. Hein. Surtout après le coup C5, où là, on voit que finalement, ce fou est super fort. Ce fou est super fort. Il a une structure de pion assez solide. Son roi, il n'est pas du tout en danger. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour jouer cette partie? Il commence à me rester plus beaucoup de temps. Et là, je me dis, pour avoir des chances pratiques, je vais aller détruire son roi. J'en ai marre, sa paire de fous, elle est trop forte. Et je me dis, allez, pour avoir des chances pratiques, tour prend F6. Tour prend F6, G prend F6. Donc là, on détruit le roque noir. Et je me dis que ça me donnera la possibilité de faire des échecs. Et je joue donc la dame contre les deux tours. Les deux tours sont souvent plus fortes que la dame. Que vous le sachiez, les deux tours sont souvent plus fortes que la dame. Et surtout, en plus, avec deux pions de plus. Donc là, il a deux tours et deux pions de plus. Mais il a le roi un peu plus faible. Au coup d'avant. Donc là, dame F5, je me dis, bon bah je vais essayer de manger des pions. Hein. Là, il se défend très très bien, tour D6, et là, il m'a impressionné, il a joué vachement bien. Dame G4,
roi f8, dame f4, donc dame f4, j'attaque et la tour et le pion. Finalement, il joue tour à d8, donc je mange quand même un pion, et je me dis, bon, bah c'est ma seule chance, je vais essayer de faire dame avec ce pion-là. Bon, évidemment, je ne vais pas y arriver hein, s'il joue bien, mais je me dis, au moins, j'ai une petite chance de déséquilibrer les choses. Lui, il a une majorité ici, une majorité de pions, c'est 3 pions contre 1, c'est pour ça que j'ai dit une majorité, et donc, il va forcément réussir à créer un pion qui va pouvoir aller à dame avec un échange. On va voir comment. Donc là, roi e7, dame e3, tour e6, dame c1, tour d4 qui est très très fort. En fait, ce tour en d4, elle va être d'autant plus active en d4. En plus, elle est défendue. Donc là, la tour est super puissante. Je vais mettre mon fou en g2. Donc je me dis, c'est le moment d'échanger les fous parce que là, il y a des problèmes de mat qui vont arriver très très vite. Là, il joue tour e6 et là, il menace tour d1. Donc là, dans cette position, après tour d1, c'est fini. Donc, j'ai qu'un seul coup là qui tient dame 3, tour e6. Et là, après tour e6, dans cette position, j'ai encore qu'un seul coup, dame c1. Et là, en fait, il aurait pu faire match nul. Déjà, s'il répétait les coups, tour d6, j'aurais dû revenir en e3, tour e6, tour d6, dame 3, et ça fait match nul. Aux échecs, on peut faire match nul de trois façons, soit quand il reste les rois, soit par répétition de coups, soit quand il y a 50 coups qui sont joués. La quatrième, c'est quand on propose match nul. Je sais pas si j'en ai oublié une, mais je pense que c'est les quatre. Fou prend g2, roi prend g2, donc il joue pour le gain. Il refuse la nulle et il joue pour le gain, ce qui fait bien parce qu'il a une bonne position. Et là, il aurait dû clairement jouer tour e2, tour sur la septième rangée. Qui est assez logique, hein. On arrive, on pénètre sur la septième rangée, on va mettre une deuxième tour ici en d2 et on va aller essayer de manger f2 et ça peut être un carnage. Il l'a pas vu. Tour e2, j'avais quand même des chances pratiques de défendre hein, en mettant le rond en h3, ce que j'avais calculé. S'il prend, il y a dame e3 et échec et je gagne la tour. Donc il y avait des chances pratiques de match nul, mais j'étais quand même pas très très fier hein, après tour e2. Il a joué a5, qui est pas le meilleur coup et qui me laisse des chances pratiques. Donc là, je joue dame c2, évidemment pour empêcher tour e2. Roi d6, je viens en h4, et donc là, maintenant, ça commence à être beaucoup plus facile à jouer pour moi, parce que le pion h, il file très très vite, et maintenant, il va falloir qu'il le surveille. Donc, tour e5, en effet, il surveille le pion h5, dame h7, j'attaque le pion f7, et en même temps, je prépare la poussée h5. Roi e7, dame c2, je reviens, je me dis, bon, bah je vais peut-être faire match nul, hein. De toute façon, moi, je joue pas pour grand-chose dans cette position. Il vient en b4, je viens en d3, mon idée, c'est venir en f3 pour pouvoir faire des échecs, si possible. a4, donc c'est ce que je vous avais dit, la majorité avance, et donc là, il va se créer deux pions passés qui vont pouvoir avancer. Donc là, je mange, prise, et là, maintenant, il faut que je réagisse vite, parce que s'il arrive à pousser ses pions à dame, c'est compliqué. Là, je vais mettre la dame en f3, qui va et menacer h5, et en même temps, échec. Et là, il commence à mal jouer, malheureusement. Il joue tour b4, enfin malheureusement pour lui, tour b4, et là, il voit pas qu'après h5, c'est déjà très difficile pour lui de défendre. Roi f8, h6, et là, je prends l'avantage. Pourquoi je prends l'avantage? Parce que dans cette position, je vais menacer échec, et sur tour e8, je vais pouvoir manger en 8, roi prend, et plus rien n'arrête mon pion, et je vais faire une dame. Et à la fin, j'aurai une dame contre une tour. Donc on va voir comment il s'est défendu. Tour be4, qui empêche donc dame a8, dame prend f6, donc là, je menace h7, h8, il l'empêche avec tour h5, dame g7, roi e7, h7, et là je prends l'avantage. Je vais faire une dame, il mange, je remange. Et là on arrive dans une finale qui est complètement gagnante, mais vous êtes dans les tournois d'échecs, il y a le temps, il y a la pression. Là on avait déjà joué depuis à peu près 3h30, voire 4h. Et ah oui, je ne vous ai pas parlé du temps qu'on joue, mais en fait on a 1h30 chacun au début de la partie, et à chaque fois qu'on joue un coup, ça nous rajoute 30 secondes. Donc, ça peut être des parties assez longues. Mais au bout de donc 3h30, 4h, on commence à être fatigué et c'est plus si simple de tout calculer bien. Donc, je vous montre la fin de la partie parce que ça commence à être long. Ça commence à faire un petit moment qu'on est ensemble et j'ai pas envie de prendre trop de temps. Donc, je vais essayer d'avancer vite. Je vais vous montrer juste la réalisation. Voilà. Donc là, il y a eu B4, Dame B8, Roi E6, Dame E8. Roi d5, dame prend f7, roi d4, roi f3, je mets le roi au centre, dame g7, je cloue la tour, et je menace donc roi f4, roi d5, roi f4 quand même, tour e4, roi f5,
Je précise que j'ai pas forcément joué la meilleure réalisation, mais en tout cas, ça suffit pour gagner. Tour E2, Dame D7 échec, Roi C4, F4. En jouant Dame D7 échec, j'étais persuadé avec la fatigue après Roi C4 que je pouvais jouer Dame A6, et en fait, pas du tout. Donc voilà. Évidemment, il y avait des meilleurs coups dans cette position comme Dame G8 ou Dame F7 pour empêcher Roi C4. Donc Dame D7 erreur, hein, Roi C4. Et on va regarder la fin. Voilà, là, je continue à faire des échecs. Continue à faire des échecs. Là, je ne pourrai plus parer, je pense, la dame. Mais j'ai quand même ces deux pions-là qui vont, eux, à dame. Donc ça, là, il me donne sa tour. Il arrive à faire une dame. Et là, je me retrouve dans cette finale. Et j'ai deux pions de plus. Et là, ça gagne assez facilement. On va regarder ensemble. Même si une dame fait beaucoup d'échecs, normalement, les deux pions vont me permettre d'avancer petit à petit. Voilà, on va regarder la réalisation finale. J'ai gagné assez facilement. Voilà, je passe le roi. Et voilà. Et donc abandon après avoir fait une deuxième dame. Donc on était dans une partie quand même acharnée. J'ai failli perdre. Il y a eu une possibilité de match nul pour mon adversaire. Et finalement la partie s'est renversée. Donc une troisième partie assez intéressante. J'ai pas pu rentrer trop dans les détails. On a déjà fait pas mal de choses ensemble dans cette partie. Et on se retrouve donc demain pour la quatrième partie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon contenu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.